Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une confiture de pêche à l'orange. Alors, pour cette recette, eh bien, j'ai coupé 1 kg de pêche en morceaux. Je vais mettre 400 g de sucre en poudre. Là, j'ai prélevé les suprêmes d'une orange. Et je vais utiliser eh bien, de l'agar-agar, un gélifiant naturel sans saveur. Eh bien, c'est parti pour la recette. On va se positionner en mode manuel et en mode doré. Je vais déposer les morceaux de pêche dans la cuve. Je vais rajouter les suprêmes d'orange. On va mettre le sucre. On mélange. Je vais ajouter le sachet d'agar-agar et je vais mélanger. Donc là, pour cette confiture, on va utiliser uniquement la fonction dorée. Donc l'objectif, c'est de porter notre mélange à ébullition. Tant qu'il n'est pas à ébullition, on tourne de temps en temps. Eh bien voilà, je n'ai pas encore atteint la fin du préchauffage, mais j'ai une forte ébullition. Donc là, je vais chronométrer, eh bien, je vais prendre 5 minutes, je vais laisser à ébullition pendant 5 minutes, et là, je vais remuer tout le temps pendant ces 5 minutes. Voilà, je suis arrivé au bout de mes 5 minutes, je vais arrêter mon cookéo. Et on va verser notre préparation maintenant dans nos pots à confiture. Alors avant de mettre dans les pots de confiture, eh bien on peut tout à fait mixer. C'est ce que je vais faire. Je vais mixer un petit peu, mais je vais garder quelques morceaux. C'est parti pour le mixage. Allez, on va verser notre confiture dans des pots. On va maintenant mettre les couvercles sur les pots. Alors là, je vous conseille, c'est de prendre bien un torchon parce que c'est très chaud. On serre, on retourne le pot pour qu'il devienne hermétique. Même opération pour notre pot. On serre, on retourne et puis on va attendre que ça refroidisse pour les retourner à nouveau et les ranger. Et bien maintenant que les pots sont refroidis, je vais les retourner et je pourrai les stocker ou en déguster un tout de suite. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.